Mirador, la plus grande tribune politique de la Guinée. L'habitacle de la pluralité des opinions. Mirador, le grand safari de l'investigation journalistique. Aboubacar Diallo. À présent, nous recevons notre invité du jour, M. Sekou Koundouno, responsable stratégie du FNDC. Le FNDC, comme je vous le disais depuis le début de cette émission, qui connaît des remous en son sein depuis que le mouvement a changé de coordinateur, depuis que Oumar Sylla, alias Fony Kemenge, a remplacé Abdourahmane Sanou. Abdourahmane Sanou, donc, qui s'est tout simplement retiré du mouvement. On en parle ici et maintenant avec Sekou Koundouno. FIM FM, Mirador, parole directe, l'interview vérité ou la fine bouche ébanie. Mirador, ici, la parole est directe. Bonjour, Monsieur Koundouno. Bonjour à Aboubacar, bonjour à l'ensemble des chroniqueurs, bonjour à vos millions d'auditeurs. Tout le plaisir de vous recevoir. Dans quel état d'esprit vous apprenez tous ces bruits venant de certaines antennes de votre mouvement depuis que la décision a été prise de remplacer Abdourahmane Sanou par Fony Kemenge? On parle d'une décision sans concertation et des bases de l'intérieur dénoncent même une forme de non-transparence sur la gestion financière du mouvement. Que répondez-vous à toutes ces levées de boucliers et dans quel état d'esprit vous abordez ces moments de tension? Et honnêtement, et sous le leadership de l'actuel coordinateur, en l'occurrence le camarade Oumar Sylla Fony Kemenge, nous abordons cette période avec beaucoup de sérénité. Comme vous l'avez tous remarqué, il y a de cela près de 2 mois, nous ne communiquons presque pas. Ouais. La coordination a décidé avec la nouvelle donne depuis le 5 septembre 2021 de revoir un peu toute une panoplie d'actions, de stratégies. Comme vous le savez, les armes qu'on avait affûtées pour combattre Alpha Condé, les mêmes armes ne peuvent pas être utilisées dans une période de transition. Ouais. Donc il faut repenser le mode operandi d'intervention, mais de compréhension et de mobilisation de l'ensemble des acteurs pro-démocratie. Ouais. Donc, en tout état de cause, tout ce qui se dit et qui se passe, nous positivons. C'est tout à fait normal dans une dynamique citoyenne qui est des incompréhensions, qui est des malentendus. Mais notre rôle régalien, c'est de rétablir la vérité afin que l'opinion publique, au niveau national et au niveau international, soit édifiée. Donc, comment nous fonctionnons à l'intérieur. Donc, vous entendez ces récriminations et vous les comprenez? Nous entendons ces récriminations et nous les comprenions. Et comme je vous ai dit tantôt, les portes de la coordination nationale sont ouvertes à tout un chacun, estimant que le modèle de gouvernance adapté à cette structure depuis le 3 avril 2019 mérite d'être repensé. Nous ne sommes pas du tout fermés. Nous sommes pas. Vous reconnaissez que la décision de mettre Fony Kemenge à la tête de la coordination, que ça a été une décision non concertée et que vous n'avez aucunement consulté les bases, et qui parle aujourd'hui de méprise à leur égard. Et Aboubacar, si vous avez remarqué, je veux qu'on aille du cas au cas pour mieux édifier vos auditeurs et téléspectateurs. Je me refuse de m'embourber dans une série de questions qui pourraient faire en sorte que je puisse occulter certaines questions qui nous semblent des questions importantes. Et à nos yeux, il faudrait que vous, en tant que médias, que vous compreniez un peu le modèle de gouvernance institué au sein du FNDC depuis le 3 avril 2019. Bien. Et n'oubliez pas que c'est les forces sociales version septembre 2018, avec le serment prêté devant les médias nationaux et internationaux, qui ont démarché pour accoucher à ce FNDC le 3 avril 2019. Donc, en clair, nous avons un modèle de gouvernance à notre sein qu'il faille comprendre. Ce modèle s'explique entre autres. Allez-y. Oui, au fait, l'instance suprême ou l'instance au fait, qui donne des orientations en termes de stratégie, en termes d'orientation au niveau du FNDC, c'est le comité de pilotage. Cette instance, elle est composée de certaines personnalités publiques et des entités. Nous avons le second organe au sein du FNDC qu'on appelle la plénière. La plénière est constituée de l'ensemble des personnes ressources, est constituée des structures de la société civile, des partis politiques et des structures syndicales qui sont membres statutaires. Cet organe est un organe de décision. C'est cet organe qui prend les décisions au compte et pour le FNDC. La plénière. La plénière. Ouais. La coordination nationale est l'organe de mise en œuvre. Je prends un exemple très simple, comme dans le cas spécifique de ce régime d'exception. Il y a le CNRD qui donne les orientations.
au niveau du palais Mohamed V, on prend des décisions, le gouvernement est là, il l'applique. Donc, comité de pilotage, plénière, coordination. Et au niveau de la coordination, nous avons au fait donné la liberté à chaque groupe de citoyens, à chaque préfecture, région ou district de créer des antennes. Donc, entre les antennes et la coordination, ce n'est pas un peu un partenariat ou un lien de subordination, mais plutôt c'est l'objet du combat qui nous lie. Cet objet, c'est quoi? C'est la lutte contre le troisième mandat. Cet objet, c'est quoi? C'est les vertus et l'ensemble des pratiques qui nous semblent des pratiques démocratiques dans lesquelles la Guinée peut prospérer. Donc, en tout état de cause. Et est-ce que, M. Kounou, vous êtes en train de nous dire que les antennes, ce n'est pas la coordination qui les a mises en place, elles se sont constituées d'elles-mêmes, elles-mêmes ou d'elles-mêmes? Effectivement, il n'y a pas une seule antenne. Une seule, au fait, coordination de préfecture, de sous-préfecture, de district, de région ou à l'extérieur qui a été créée par la coordination ou la coordination a nommé ou désigné un coordinateur. Mais vous les avez validées, ces antennes. Je vous explique comment on procède. Les Guinéens se retrouvent dans le quartier Nongo, à antenne FLNDC Nongo. Ils se retrouvent, société civile, parti politique et structure syndicale. Ils élisent un bureau, ils désignent un coordinateur, ils informent la coordination nationale qui n'a pas mandat de remettre en cause leur volonté. Donc, en conséquence, vous comprendrez qu'au niveau de la coordination, aucune antenne n'est membre de cette plénière. Je vous cite quelques personnalités publiques qui sont membres de la plénière. C'est le doyen Souleymane du Lynx qui est membre de la plénière. C'est le doyen Kerno Monembou. C'est le doyen Malal. C'est l'OGDH. C'est le collectif des anciens du FN, du CNT. C'est le balai citoyen, c'est la PECUL, c'est Tournons la page, c'est le mouvement Rouge Jaune Vert, le Parlement des jeunes de la société civile, Voix du Peuple, l'ONG de Formo, Même Droit pour Tous. C'est ces entités-là qui statuent au nom et au compte du FNDC pour prendre des décisions. Au sein de la plénière. Au sein de la plénière, je vous apprends, posez la question à votre au fait, reporter qui était présent ce jour auquel Fonke Mangue a été désigné, que s'il y a eu plénière ou pas, je pense que vous pouvez l'inviter dans la salle. S'il n'y a pas eu de plénière, on peut parler de 4 minutes. Donc vous nous confirmez qu'il y a eu plénière et que c'est la plénière qui a pris cette décision. Votre reporter est mieux placé pour vous édifier qu'il y a eu plénière parce qu'il a couvert au fait l'activité. Il était dans la salle quand Fonke Mangue a été plébiscité par l'ensemble des membres de cette plénière qui sont les membres statutaires. Pour nous, en tout état de cause, la raison, elle est ailleurs, mais je puis vous le dire honnêtement, en tout état de cause, vous avez remarqué qu'au niveau de la coordination, on ne communique pas. Nous sommes dans une démarche de rassembler le maximum d'acteurs pro-démocratie afin que nous puissions se projeter sur les défis, sur les enjeux. Le rôle qui s'y est au niveau du FNDC, c'est la poursuite de cette lutte jusqu'au retour à l'ordre constitutionnel. Donc pour nous, au niveau de la coordination, le combat n'est pas encore terminé. Ce qui pose problème, Talibé, si tu permets, c'est que si dès l'instant que les choses sont schématisées ainsi, il revient à la coordination plutôt, à la plénière de prendre des décisions, ça veut dire que la voix des coordinations préfectorales et régionales ne compte pas. Et en tout état de cause... À ce stade. Oui, à ce stade, je vous explique de façon très simple. Je prends l'antenne du FNDC de l'ABI, qui tient régulièrement ses réunions hebdomadaires, qui prend des décisions qui lui semblent des décisions pertinentes et qui peuvent les aider à conclure à l'atteinte de nos objectifs, ils ne font qu'informer la coordination. Informer. On n'a pas une méthode ou une stratégie... Un lien de subordination. Subordination. Quand Fonke Mangue a été désigné, plébiscité par la plénière, à midi, à 13h, il a pris son téléphone, je vous dis, il a appelé tous les coordinateurs au téléphone pour les informer. J'ai été désigné par les membres statutaires, par la plénière. Je vous informe que dans les jours qui suivent, une mission de réunification et de remobilisation sillonnera tout le pays pour aller communier, échanger avec vous, pour qu'ensemble nous puissions voir comment nous allons gérer les défis et les enjeux qui s'imposent au mouvement. Donc, bien dit. Il n'y a pas polémique à la matière. Il n'y a pas polémique à la matière. Bien dit. Allez-y, Mamadouri. Deux questions. Alors, cela veut dire aujourd'hui que c'était une entité formelle et que les gens ont adhéré
spontanément à la vision de, du Front National pour la Défense de la Constitution, à l'époque où il s'est dressé contre la volonté d'Alpha Condé de changer la Constitution. Et je comprends la démarche du FNDC, parce que ça veut dire qu'il n'existait pas de statut et règlement intérieur comme toute autre ONG bien formalisée. Si vous adhérez, les principes sont là, vous les lisez, vous êtes membre et vous obéissez à cela. Ça a été spontané et tout le temps qu'ils ont combattu, il n'y a pas eu cette formalisation. Et maintenant, je m'en vais à vous compléter. Oui. Je m'en vais à vous compléter avant que vous ne continuiez. Il faudrait peut-être, cabinet le sait, le FNDC n'est pas une ONG. C'est un mouvement citoyen. Oui. Né au fait des échanges approfondis que nous avons eus avec nos amis de Yanamar, avec nos amis du Ballet Citoyen, avec nos amis de la Loucha, de Filimbi, j'en passe, pour repenser quel modèle qu'il faut adopter au FNDC. Nous ne sommes pas une ONG. Oui. Nous ne sommes pas des gens qui sont structurés. Formellement, c'est ce que je dis. Il faudrait à ce niveau qu'il y ait cette compréhension. Bien. Vous qui êtes dans la salle, si vous partagez les mêmes préoccupations que nous, autres acteurs qui se disent membres du FNDC, vous êtes membres du FNDC. D'où la question, d'où ma question. C'est un état d'esprit. D'où ma question, si il y a des entités qui spontanément n'adhèrent pas au choix de Fonike Mangé, ils n'ont pas, enfin, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas à vous tirer dessus, ils ne sont pas obligés d'adhérer à ce choix comme ils ont adhéré justement à votre combat au départ. C'est la première question. Deuxième question, aujourd'hui, s'il y en a qui demandent la reddition des comptes, parce qu'il paraît qu'ils vont faire un point de presse. On va arriver à ça. Ils vont faire un point de presse. Ma question, c'est quoi? Oui, allons du cas au cas. Oui. J'ai dit à Talibé en préparant l'émission, l'objet, ce n'était pas ça. Mais vous, ne pas le faire, vous direz, c'est des fuyards, ils ne veulent pas être... Ils veulent pas faire... Ils veulent pas être transparents. Donc la première question. La première question, et vous venez de dire que ceux qui estiment qu'ils ne se retrouvent pas, nous encourageons toutes les dynamiques, tous les regroupements qui ont leurs préoccupations essentielles à aider ce pays à aller de l'avant. Nous n'avons pas de problème. Tu ne peux pas être devant et ne pas être au fait ouvert aux critiques. Ouais, c'est pas du possible, quoi. Ouais. Donc, qu'est-ce que vous avez à leur dire, ces antennes qui sont mécontentes? Et ce que je pourrais dire à l'antenne de Ratoma et de l'Abbé, principalement aussi celle de Mamou, on a entendu dans les médias. Suivez, officiellement, donc les deux. J'ai reçu instruction du coordinateur national, nous ne venons pas pour polémiquer ou pour mettre la main au fait sous la plaie. Bien. Je dis, ce que nous pouvons dire aux antennes de l'Abbé et de Ratoma, et que les portes du nouveau coordinateur sont ouvertes. Il l'a prouvé en les appelant en personne pour leur dire qu'il est disposé. Nous sommes, au fait, dans un esprit de rassemblement, d'unité, de dialogue, mais tout en restant adossés aux principes qui ont déjà gouverné l'entité. S'ils sont, au fait, dans une dynamique, réformatrice, ne sont pas aussi fermés, mais tout cela se fera dans un process. Ouais. Dans un process de dialogue. Mais la deuxième question, Mamadou Ry. Alors, la deuxième question, elle porte justement sur l'objet de cette levée de bouclier. Mm-hmm. Le deuxième aspect, c'est-à-dire la gestion financière. Ouais. Est-ce que... On vous accuse de ne pas être transparent là-dessus. Est-ce que ces entités-là, n'est-ce pas, à l'intérieur du pays, cotisaient pour le fonctionnement de la structure au point qu'aujourd'hui, ils se donnent le droit de demander un compte-rendu financier? Est-ce que le mécanisme était tel que les gens cotisaient? Et une très bonne question. En tout état de cause, dès lors qu'ils ne sont pas rattachés à la coordination nationale, en quoi on peut leur demander des cotisations? Donc en clair, aucune antenne du 3 avril 2019 au 8 février 2022, je parle des antennes au niveau national, n'ont contribué à même un seul centime de franc guinéen. Un seul centime. Et les antennes à l'étranger. Au niveau de la coordination. Au niveau de la coordination. Un seul centime. Au niveau de l'extérieur, ils ont sollicité, au fait, l'envie, le désir d'aider la coordination à mener à bien cette lutte. Sano, vous le connaissez mieux que n'importe qui, étant très prudent, a dit on crée un compte GoFunding. FNDC. Il dit nous voulons voir la liste de tous les contributeurs. Qui a contribué, où il a contribué. Aujourd'hui, nous sommes à près de 40 et quelques mille dollars. Je vous explique que Sano a exigé des membres de la coordination nationale que chacun donne
quelle que soit peu sa contribution pour qu'il complète, afin que la coordination elle-même cotise. Oui. Quand vous cliquez le GoFunding, vous verrez contribution force sociale, 10 000 dollars. C'est ça nous. On a, chacun a donné ce qu'il a pu donner. Ça nous a complété. On a apporté notre contribution. Vous avez positionné 10 000 dollars. 10 000 dollars. Dans le ce montant, Ouri, du 7 octobre 2019 au 8 février 2022, un seul centime n'a été utilisé dans ce montant. Un seul centime. Donc tous les 40 et quelques 000 dollars sont logés, stockés. Bloqués. Bloqués. Pour la simple raison, le responsable des opérations, Ibrahim Diallo, a eu une réunion avec les principaux contributeurs, parce qu'au devant de cette mobilisation se trouvaient nos antennes de l'extérieur du pays. On a posé le problème. On dit qu'on arrivait à un certain moment, il faudrait qu'on essaie de penser qu'est-ce que nous allons faire avec ce montant. Nous, on avait envisagé, on dit avant que justice ne soit rendue, avant que les familles ne soient dédommagées, qu'on prenne ces 40 et quelques 000 dollars, qu'on le partage au nombre de morts qu'on a eu. Des familles. Des familles. Les coordinateurs et les contributeurs humblement nous ont dit que nous ne devons pas nous substituer au rôle de l'État. Ouais. Qu'il préfère que ce montant soit utilisé dans la lutte. On a dit alors au responsable des opérations, ce montant, mettez-le en stand-by jusqu'à ce qu'on repense comment l'utiliser. On les informera. S'ils adhèrent, on va engager les dépenses. Mais à ce montant, j'envoie le lien à quelqu'un d'entre vous ici. Il suffit de cliquer, monsieur Diallo, pour voir tous les contributeurs, nom, prénom, la date, l'heure, le montant. Il n'y a pas matière à polémiquer. Le problème est ailleurs. Le problème est ailleurs. Quand vous dites le problème est ailleurs. Oui, qu'est-ce que vous voulez Je vais l'étirer là. Qu'est-ce que vous entendez par le problème est ailleurs. Honnêtement, nous-mêmes. Parce que c'est subliminal. Non, au niveau de la coordination, c'est pourquoi nous sommes ouverts aux échanges. Nous sommes ouverts aux discussions parce que nous ne savons pas, honnêtement, sur la base factuelle, qu'est-ce qu'on nous reproche. Honnêtement. Vous pensez qu'il y a une main noire derrière ces agitations. Permettez. Honnêtement, quand on entend tout ce qui se dit. Et tu écoutes certains de nos proches talibés qui se disent, mais vous, est-ce que vous vous battez pour des gens qui vous accusent de tous les noms d'oiseaux et vous pouvez avoir l'aimabilité de faire autrement. Ça, on l'a dit ici. Ce pays, quand tu cours derrière tes privilèges et avantages, on te dit, c'est un opportuniste, il s'est servi du peuple. Si tu ne le fais pas autant, on te traite d'arrogant, d'insolent, de quelqu'un qui a la malédiction. De quelqu'un qui est faible. En tout état de cause, je me pose quelquefois la question, qu'est-ce que les gens veulent honnêtement? Honnêtement. Ouais, qu'est-ce qu'on veut finalement dans ce pays? Oui, Mamadou Ouri, pour ta dernière question. Non, bon, enfin, vas-y. Ce que je voulais dire, est-ce que c'est l'autre casquette de Fonny Kimenge, de Sékou Touriste, qui pose problème? Parce qu'un peu, c'est l'autre débat qui se mène, mais peut-être dans les milieux informels, sur la toile, ainsi de suite. Est-ce que vous pensez aussi que cela pose problème et que vous devez apporter une réponse à l'opinion? Écoutez, M. Diallo le sait mieux que n'importe qui parce qu'il a vu les débuts un peu au sein du balai citoyen. Ouais. Au fait, au sein du FNDC, c'est des leaders et des personnes de ressources qui sont retrouvées. Chacun a ses attaches, ses convictions. On ne peut pas en arracher à quelqu'un. Ce qui nous unit au FNDC, cabinet, c'est l'objet du combat. L'objet, c'est le troisième mandat. Commun. Si tu veux que tu sois de Zimbazou, de Zimbizi, cela ne nous engage pas. Mais est-ce que cet objet qui nous unit, tu es foncièrement engagé, tu es résolument engagé à mener cette lutte de façon sincère? À défendre la Constitution. Et je vous dis une chose, comment dirais-je, Ouri, ça a été une première en Afrique de l'Ouest. Fadel Barrow de Yanamar me l'a dit, que des acteurs de la société civile viennent devant les médias nationaux et internationaux, qui prennent leur ablution, qui mettent la main sur le Coran, de ne servir que le peuple de Guinée. Monsieur Diallo, depuis qu'on a mis le FNDC en place, avez-vous entendu une défection au sein de la coordination? Non. Parce que nous sommes liés par un serment. Ça, même si on ne nous aime pas, mais qu'on ait l'aimabilité au moins de respecter un peu ce sacrifice qu'on fait pour ce peuple. Alors, Monsieur Kounou, avant de parler, passer aux perspectives qui attendent le FNDC, qu'est-ce que ça vous fait lorsque quelqu'un comme Fonny Kimenge a été en prison, vous avez été en prison, Abdourahmane a été en prison, vous avez subi des choses, vous avez vécu l'exil, et après, il y a une sorte de médisance, comme celle qu'on vit actuellement, vous concernant. Qu'est-ce que ça vous fait? En fait, si vous n'êtes pas mentalement fort, vous lâchez, honnêtement. Et le grand frère, là, pendant ma période d'exil, il m'encourage à travers les textos. Ouais. Je profite de l'occasion pour le dire.
Personne ne s'est interrogé comment la famille de Kounouno a vécu l'exil. C'est vrai. Ouais. Comment ma femme trouvait la popote? Comment mes enfants partaient à l'école? Comment je paye mon logement? Personne n'a été à la maison pour compatir à cette période aussi difficile. Personne ne s'est posé. On est interrogé. Ceux qui parlent aujourd'hui, pourquoi ils ne sont pas interrogés? Comment Kounouno vit l'exil à Dakar? Nous avons vécu à Dakar comme des wanted. On n'avait pas accès à la communauté, on ne rencontrait personne à Dakar. Personne ne s'est interrogé comment ils sont retrouvés du côté de l'Hexagone, comment ils ont su faire. Toutes ces interrogations aujourd'hui viennent après le 5 septembre, parce que l'enfant béni est rentré au pays. L'enfant béni c'est qui? C'est le FNDC. Donc nous demandons humblement aux amis qui sont dans l'incompréhension que nous devons nous parler. Nous devons conjuguer des efforts. Les défis et les enjeux sont immenses. Si nous étions des opportunités ou des gens qui ont voulu se servir de ce peuple, mais c'est très facile d'être de l'autre côté. Hein. Ouais. Il suffit de prendre une semaine de démarche pour que tu te retrouves de l'autre côté. Effectivement, ouais. Donc, en tout état de cause, ça n'a pas lieu d'être. Ouais. Quand on regarde Fonke Mangue avec toute la souffrance, l'humiliation, pendant 16 mois, incarcé dans les conditions les plus pénibles, que les gens le jettent aussi en pâture. En pâture. Mais le monsieur prend de la couture. Il ne mérite pas du tout cela. Il a instruit à tous les membres de la coordination de mettre la balle à terre et de rassembler les gains. Bien. Fonke Mangue, un véritable Kijivara, comment vous allez gérer ces moments de crise? Est-ce qu'il y aura une passerelle de discussion? Comment tout cela va se passer pour aller à la désescalade? Parce que j'entendais le journal avec Mariamba tout à l'heure, dans lequel on signale que les coordinations donc, qui contestent, les contestataires sont en rébellion. Les contestataires vont faire une communication aujourd'hui et par la suite. Ils expliqueront quelles sont les prochaines étapes de leur combat. Et il n'y a ni rébellion, ni contestation. Mm-hmm. C'est des incompréhensions. Bien. Nous leur laissons la latitude de mener toutes les initiatives et démarches. Nous vous rassurons que les portes sont ouvertes. Et demain, pour la première fois publiquement, le coordinateur national, en l'occurrence le camarade Oumar Sylla Fonke Mangue, prendra la parole pour appeler ses compatriotes, ses militants pro-démocratie, au rassemblement, à l'unité, afin que nous puissions tous aller dans le même sens. Je le réitère encore, le combat pour pérenniser nos acquis n'est pas encore fini. Bien. Il faudrait que chacun sache raison garder. Justement, avant de d'ouvrir l'antenne pour vous confronter à quelques opinions, en 3 minutes, un regard sur cette transition, ce qui se dresse devant vous comme le nouveau défi et dans quelle direction, avec quelle loupe aujourd'hui vous regardez cette transition 5 mois après? Est-ce que les choses vont dans la bonne direction? Est-ce que les actes posés par le colonel et son CNRD vous rassurent 5 mois après? Non, honnêtement, et ça fait quelques temps nous travaillons, nous n'avons aucune lisibilité du trajectoire. Aucune lisibilité du trajectoire que prend cette transition. Nous sommes en train de travailler afin de mettre un mécanisme de suivi pour le retour rapide à l'ordre constitutionnel afin que le Guinéen puisse élire librement et en toute sincérité les dirigeants qui doivent les gérer dans la légalité et dans la légitimité. Quand vous dites que vous n'avez aucune lisibilité, ça veut dire quoi? Et aucune lisibilité, et je ne rentrerai pas dans assez de détails, les jours prochains, la coordination nationale avec la panoplie d'actions et le mécanisme de suivi de la transition qu'il mettra en place vous édifiera du cas au cas, de question en question, sur toutes les actions que nous comptons. Et c'est quoi les perspectives? Vous avez, vous voulez dire quelque chose? Oui, il y a Alga Simon Diallo qui nous suit, je crois, depuis le Burkina. Il dit « Salut à Koumba, attention à ce que Kounouno dit. Pourtant, certains coordonnateurs du FNDC à l'étranger ont été nommés à travers des courriers signés par Abdramane Sano. C'est le cas, par exemple, des ISA et de la France, si ma mémoire est bonne. Aux ISA, la dynamique a failli capoter à cause de ça. La coordination ferait bien de faire profil bas et reconnaître les reproches qui lui sont faites. La dynamique a encore des chances de survivre à condition que la team de la coordination nationale reconnaisse ses fautes. Et honnêtement, je ne saurais au fait rentrer dans les détails avec Al-Gassim. Il a été membre au fait des forces sociales et au sein des forces sociales, c'est moi-même qui l'ai fait venir au sein de cette dynamique. Et il y a des exceptions près. Mais je vous le dis avec beaucoup d'assurance qu'au niveau national, au niveau communal,
Et dans l'essentiel de nos coordinations, les Guinéens ont élu librement, au fait, les responsables à la base. Donc, il n'y a pas matière à polémiquer. S'ils estiment qu'il y a faute ou quoi, nous sommes ouverts aussi à ces discussions, ouais. Mais nous estimons que nous sommes dans le respect des principes qui gouvernent la structure. Ouais, discours très responsable. C'est peut-être, je vais même vous poser cette question avant d'ouvrir l'antenne, de cet auditeur Massa Karinka Doumbouya de Dixine Kass. Il vous demande, après le départ d'Alpha Condé, quelle est votre nouvelle cible? Quelle est la nouvelle cible du FND? Est-ce le CNRD? C'est quoi les perspectives? Suivez, nous avons été très clairs. Nous l'avons renouvelé à plusieurs reprises. L'objectif du FNDC, c'est d'accompagner la transition pour un retour à l'ordre constitutionnel. Dans les jours prochains, notre rôle, c'est de mettre en place un mécanisme de suivi permanent afin que toutes les actions qui sont posées, qu'on puisse regarder si ces actions sont conformes à la charte, sont conformes aux préoccupations légitimes et aux aspirations du peuple de Guinée. Et vous serez informé très, très prochainement. Ouais. Le CNT est installé et il revient au CNT de décider de beaucoup de grandes questions au cœur de cette transition. Il a à sa tête Dr Dansa Kruma, que vous connaissez bien, activiste de la société civile. Est-ce que vous êtes rassuré? Et attention à la première question sur la durée de la transition. Ouais. Je pense bien que la charte, elle est claire dans une de ses dispositions. Il ne faudrait pas qu'on s'arroge les prérogatives qu'on n'a pas du tout, sauf si j'ai très mal maîtrisé mes cours de droit à la fac. Concernant le CNT, je n'ai pas assez de commentaires. Et nous avons eu des discussions au plus haut sommet de l'État. Nous avons exprimé notre souhait qu'on était plus légitime, qu'on avait tout le mérite de présider cette instance. Cela n'a pas été fait par l'avis. Fonike Mangue était candidat du FNDC pour le poste de président de CNT. Nous l'assumons entièrement. Nous avons la légitimité. Nous avons payé en tant que FNDC le lourd tribut de ce combat démocratique. Nous ne voyons pas de Guinéens qui viennent de Harvard ou de Cambridge plus légitime que nous pour mener à bon train les travaux de ce CNT. Ouais. Donc ça n'a pas été le cas au niveau du FNDC. Nous prenons acte et dans les jours prochains, vous serez édifiés des nouvelles orientations et du mécanisme de suivi que nous mettrons en place afin que la transition que le colonel espère de ses voeux, une transition réussie, que tous les Guinéens puissent au fait, l'aider, l'accompagner, qu'on ne puisse pas dérouter du trajectoire qu'on s'est fixé depuis le 5 septembre 2021. Il aurait fallu que vous envoyiez d'abord le nom de quelqu'un, non? C'est-à-dire qu'on a demandé des listes. Écoutez, est-ce que l'FNDC, Société Civile, a déposé un nom? Écoutez, nous n'avons pas envoyé de liste. Nous n'avons pas l'intention d'envoyer quelconque liste. Je vous dis qu'on a eu des discussions au plus haut sommet de l'État. Nous avons exprimé de vive voix qu'il n'y a pas de Guinéen plus légitime que le FNDC pour présider la tête du CNT. Ça n'a pas été le cas. Nous prenons acte et dans les jours prochains... Est-ce qu'une promesse avait été faite dans ce sens? Je vous dis qu'on l'a dit au plus haut sommet bien que ce CNT, qui n'a pas de Guinéen vivant en Guinée et à l'extérieur, plus légitime que nous. Un mot sur dans ça quand même. Je n'ai pas de commentaire parce que nous sommes plus légitimes que quelqu'un Guinéen pour présider ce CNT. Bien. En fin de compte, est-ce que les choses vont dans la bonne direction, à votre avis? Je vous dis qu'on n'a aucune visibilité, donc je ne saurais faire de commentaires. Voilà qui est dit, hein. Sekou Kounduno, responsable des stratégies chez le FNDC. Est-ce que vous allez changer de position au sein du FNDC ou pas? Et les réformes sont en cours. Très bien. Et le nouveau coordinateur, il a instruit et à l'ensemble des responsables, chacun de sa télé, chacun de travailler au rassemblement, et il prépare des missions de sortie à Conakry comme en province dans le cadre de la redéfinition de la mobilisation afin de projeter des nouvelles perspectives qui pourront aider sans doute le CNRD mais aussi la Guinée à ce qu'on puisse avoir une transition réussie. En cas de dérapage, des manifestations à n'y pas exclure? N'y pensons pas. L'échec de cette transition est l'échec de tout le peuple de Guinée. Le plus important pour nous, c'est de ne pas vivre un peu ces périodes sombres du régime Alpha Condé. A-t-on voulu dissoudre le FNDC? Confirmez-vous l'information? On le confirme, mais la réponse a été aussi une réponse très claire en la matière. Personne, en aucun cas, dans aucune circonstance, ne peut prétendre dissoudre une structure au fait qui a pour rôle d'œuvrer pour la démocratie.
Très bien dit. J'espère que nous avons été complets là-dessus et j'espère que vous avez apprécié cette interview et la communication de Sekou Kounouno, une communication d'apaisement, une communication de responsabilité. Franchement, c'était assez responsable de sa part. Grand merci à vous, Kounouno. Merci à tous les chroniqueurs du jour. Merci aussi à notre équipe de réalisation Alpha Diaouné, Walid Design, Ibrahim Babendalo, Ibrahim Assila. Vous nous avez pratiqué à travers nos antennes et la collaboration de Dabo Media. Merci de l'attention. Dintégué arrive juste derrière nous. On remet les compteurs à zéro. Demain, quand il sera 8h, sur 95.3. Au revoir. Mirador, la grande messe de l'investigation journalistique, la plus grande tribune politique de la Guinée. Avec Aboubacar Diallo, Talibé Barry, Mohamed Mara, Mamadou Ri Diallo, Akumba Diallo, Kabine Fofana, Mohamed Kaba, Mamadou Diambaldé. Mirador, la grande messe de l'investigation journalistique, la plus grande tribune politique de la Guinée. Avec Aboubacar Diallo, Talibé Barry, Mohamed Mara, Mamadou Ri Diallo, Akumba Diallo, Kabine Fofana, Mohamed Kaba, Mamadou Diambaldé.